Cette chaîne YouTube qui a démarré il y a seulement plus de 6 mois génère aujourd'hui plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tout ça uniquement grâce aux YouTube Shorts. Et vous n'avez pas besoin d'expérience, pas besoin de caméra, pas même besoin de savoir faire du montage vidéo. Et cette chaîne que vous voyez juste ici ne génère même pas ses vidéos elle-même. YouTube a décidé de lancer les revenus publicitaires via les Shorts début 2023. Il s'agit donc du meilleur moment pour faire partie des pionniers dans votre secteur et d'être un des premiers à investir celui-ci afin de permettre de grossir facilement votre audience, bien plus facilement que sur TikTok par exemple. Salut les refs, c'est Stan et voici une nouvelle vidéo sur pourquoi YouTube Shorts est la nouvelle opportunité début 2023 et pourquoi est-ce qu'il faut que vous vous y intéressiez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire des milliers d'euros avec YouTube Shorts tous les mois sans filmer de vidéo, monter de vidéo et même sans montrer votre tête. Et je vais vous montrer une niche super secrète pleine de potentiel qui a à peine démarré sur YouTube Shorts il y a environ 6 mois. Pour commencer, je vous invite à vous rendre sur YouTube et à rechercher hashtag Shorts. De cette façon, vous verrez uniquement les Shorts qui sont publiés sur YouTube. Et vous verrez de cette façon qu'en ce moment, il n'y a que 504 millions de vidéos sur YouTube en Shorts et seulement 27 millions de chaînes. Ce qui est extrêmement peu comparé aux chaînes principales YouTube ou même aux chaînes TikTok. Je suis prêt à vous parier que d'ici la fin de l'année, le nombre de vidéos aura dépassé le milliard et des chaînes facilement les 100 millions. Vous serez donc forcément parmi les grands précurseurs en commençant dès maintenant. Comme vous pouvez le voir dans les vidéos qui défilent, vous pouvez déjà retrouver certaines niches qui sont peu utilisées mais qui fonctionnent très bien sur la plateforme. Et ça pourrait vous permettre de vous inspirer pour créer votre contenu sur votre niche et qui vous permettrait d'exploser sur YouTube Shorts. Et en descendant un peu plus, je suis tombé sur une vidéo de Anime God. De cette façon, je me suis donc intéressé à cette niche et j'ai recherché dans la barre de recherche hashtag Shorts plus animé afin de trouver toutes les vidéos qui étaient spécifiques à cette niche. Comme vous pouvez le voir, c'est une niche qui marche encore très bien, qui est très peu développée actuellement sur YouTube Shorts. On peut donc prendre la chaîne d'Anime God comme exemple pour voir ses statistiques et ce qu'elle nous propose. On voit donc que cette chaîne gagne aujourd'hui entre 1000 et 15 000 euros de revenus moyens uniquement grâce aux revenus publicitaires. Et il faut bien dire qu'à partir d'un moment, les marques commenceront également à s'intéresser aux Shorts comme sur TikTok et que vous pourrez avoir des placements de produits qui vous rapporteront davantage de revenus. Via Social Blade, donc, nous pouvons voir qu'il a créé sa chaîne début juin, donc ça a fait seulement plus de 6 mois et qui fait des millions de vues tous les jours. On va donc s'inspirer de sa chaîne pour lancer la nôtre et essayer de nous développer à notre tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TikTok et qu'on va rechercher animé dans la barre de recherche. Ça va donc nous montrer toutes les chaînes qui sont populaires sur la plateforme et qui ont des vidéos qui ont bien marché. Comme vous pouvez le voir, il existe des centaines voire des milliers de comptes qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui font des revenus tous les jours mais dont personne ne connaît le propriétaire car ils ne montrent jamais leur tête. Et tout ça en faisant des centaines, des milliers, des centaines de milliers de vues. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va sélectionner une chaîne qui nous intéresse, qui fait des contenus réussi et qui fonctionne via TikTok. On va prendre donc celle-ci en exemple et on va vouloir les télécharger pour les réupload. Le problème étant que sur les vidéos TikTok, nous avons des watermarks qui signalent aux autres plateformes que cette vidéo vient de TikTok et donc vous met des problèmes de copyright. Vous allez donc aller sur ce site super secret qui vous permet d'enlever les watermarks et donc d'éviter les problèmes de copyright. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de très légèrement modifier la vidéo afin justement d'éviter tous les problèmes de copyright et d'avoir votre propre vidéo qui vous est attribuée et sur laquelle vous allez pouvoir faire des centaines de milliers de vues. Pour ce faire, vous vous rendrez donc sur Canva, qui est un site de modification d'images et vidéos très très simplifié. Vous allez chercher dans la barre de recherche vidéo mobile et y placer la vidéo que vous venez de télécharger via TikTok. Une chose à remarquer, c'est que la plupart des vidéos TikTok ont des musiques qui ne seront pas acceptées via YouTube car YouTube a un système de restriction auditive qui est bien supérieur à celle de TikTok malheureusement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mute la musique de la vidéo et la remplacer par une musique de la librairie YouTube dont vous trouverez le lien en description. Ça vous permettra de garder la monétisation YouTube et de n'avoir aucun problème de copyright. Nous allons donc légèrement modifier la vidéo afin que vous n'ayez aucun problème de copyright avec le robot YouTube. Vous allez donc chercher rectangle dans les éléments Canva. Vous allez le mettre dans le dessous de la vidéo que vous allez étendre. Ensuite, vous allez rajouter un petit texte. Pour ce fameux texte, je vous conseille donc de faire en sorte que les utilisateurs commentent votre vidéo en mettant par exemple commenter votre héros d'anime préféré ou bien commenter le héros le plus badass tout manga confondu. Car ça donnera envie aux gens d'ouvrir les commentaires et d'écrire leurs commentaires. Pendant ce temps-là, votre vidéo continuera à tourner en arrière-plan et ça vous permettra donc de créer une meilleure visibilité et TikTok mettra bien plus votre vidéo en avant dans cette situation. Ensuite, vous allez donc poster vidéo en allant donc créer une vidéo, vous mettez votre vidéo, vous créez votre titre. Si votre vidéo fait moins d'une minute et qu'elle est en format vertical, elle se positionnera immédiatement en tant que short et c'est donc ce qu'on cherche. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore mettre de description ou de hashtag car nous sommes réellement au tout début de YouTube Shorts et c'est pour ça que c'est réellement une opportunité aujourd'hui qu'il ne faut absolument pas rater. Et pour la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils
Je vous conseillerais de poster au moins une fois par jour et au mieux trois fois par jour, le matin, le midi et le soir, mais minimum une fois par jour car ça montrera à YouTube que vous avez une certaine récurrence dans vos vidéos et ils seront très contents ceux-là car ils poussent énormément le fait de poster régulièrement sur leur plateforme. Ça prend littéralement 10 minutes à prendre une vidéo, la télécharger, la modifier légèrement et la poster sur YouTube. Et ça vous permettra au bout d'un temps d'avoir une communauté grandissante et de pouvoir faire vos premiers centaines de milliers d'euros en ligne. Car au bout d'un temps, c'est certain, il y a une de vos vidéos qui deviendra virale et qui va vous faire exploser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et à activer la cloche si cette vidéo vous a plu. De cette façon, je pourrai savoir que ce genre de vidéo vous plaît et en faire davantage. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Devenez riche. Tchuss !